invité dans les studios d'Europe 1 pour les incontournables de Julia samedi 27 avril 2024. Les acolytes Eric et Ramzy sont revenus sur leur rôle de juré dans la nouvelle production d'Amazon Prime Video, intitulée Comédie Classe, dans laquelle ils jugent la nouvelle génération d'humoristes francophones. Ils font partie des légendes de l'humour français. De la tour Montparnasse infernale à Seul Tout en passant par Double Zéro, Eric et Ramzy ont marqué le paysage de la comédie française et leur talent est reconnu par toutes les générations en France. S'ils s'affichent de temps en temps l'un sans l'autre, si est-il souvent ensemble que les Français les préfèrent. Dans un entretien accordé à Télé Loisirs publié vendredi 26 avril 2024, les acolytes ont avoué qu'ils se laissaient respirer un peu pour continuer à se faire rire. Mais ils ne se sont jamais lâchés. On a eu 5 femmes qui sont parties, mais nous, on est toujours restés ensemble, a ironisé Ramzy Bedia sur cette relation très particulière dont ils font l'expérience depuis 30 ans. Pour le plus grand plaisir des admirateurs du duo incontournable, les deux comédiens sont de retour dans un nouveau programme humoristique dévoilé par Amazon Prime Video, dont ils sont aux commandes. Ça nous a un peu bousculés dans les rues de l'Hexagone. Les affiches publicitaires sont placardées du visage d'Eric et Ramzy. En effet, vendredi 26 avril 2024, Amazon Prime Video partageait les premiers épisodes de Comédie Classe, un nouveau programme au sein duquel le duo emblématique a la tâche de dénicher les humoristes de la nouvelle génération. Invités dans les studios d'Europe 1 pour l'émission Les Incontournables de Julia, les compères ont avoué qu'au départ, ils s'étaient sentis un peu pris au piège par la production du programme. Face à l'énigme Monnier, Eric Judor a expliqué que la boîte de production s'était chargée de toute l'organisation de Comédie Classe. Si le duo avait accordé un petit oui de principe, ils se sont retrouvés 2 mois plus tard avec un agenda très détaillé des dates de tournage. Ça nous a un peu bousculés, a avoué le réalisateur de la série Platane, avant d'admettre qu'il s'était senti un peu obligé d'y participer. De son côté, Ramzy Bedia a appuyé sur le fait qu'au départ, il ne voulait pas vraiment le faire. Avec un peu de recul, une fois que le tournage était terminé et le programme bouclé, il semble que l'expérience a été assez plaisante pour les humoristes.